Le ministre-gouverneur Beugré Mambé et une forte délégation accompagnée du sous-préfet de Songon, du chef sortant de Kassamblé, Oga Léon, et de M. Josué Boudjé, prétendant à la chefferie de Kassamblé, ont rendu visite aux personnes qui ont subi de lourds dégâts lors des pluies survenues dans la nuit du vendredi 4 juin 2021. Étape 1, les habitants de Songon-Kassamblé derrière Goudron. C'est le sous-préfet de Songon, le commandant Stéphane Guiriga, qui a pris la parole pour expliquer l'état des lieux au gouverneur. Mesdames et messieurs, la population, je voudrais vous dire merci. Vous êtes venus. Suite aux pluies d'avant-hier à hier, et suite à l'inondation qu'a subi ce quartier-là du Kassamblé, j'avais rendu compte, monsieur le ministre, qu'il y avait eu des dégâts matériels importants. Très tôt, depuis hier nuit, il avait déjà dirigé ses collaborateurs à l'effet de réunir déjà l'ensemble des kits minimum de suivi pour soutenir tous ceux qui ont été sinistrés. Hier, je vous disais déjà que vous transmettez son yako et la tenue lui-même a venu aujourd'hui pour exprimer ce yako-là et faire l'état des lieux. Monsieur le sous-préfet, monsieur le député, monsieur le Duma, président du COSIM, je voudrais vous dire que depuis un mois, le président nous a demandé de veiller sur les zones où en général, quand il pleut, il y a des difficultés. Nous avons fait une réunion avec le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et on a identifié, on a vu quels sont les endroits où, quand il pleut, nos parents ont des problèmes. Après des mots de réconfort, ce sont des vivres et des non-vivres que le gouverneur a distribués pour le grand soulagement des habitants de cette partie de Songon-Kassamblé, principalement composée d'halogènes. Comme on ne peut pas vous laisser dans la difficulté telle que vous avez vécu hier, immédiatement la même nuit, le président a demandé qu'on vous envoie les matelas. Voici les matelas. Ça, c'est un échantillon. Je vous envoie la nourriture. Vous-même, vous avez vu, c'est un échantillon. C'est pas tout. Il y a beaucoup encore. Mais c'est juste pour vous montrer. Donc, il y a du riz. Et du lait, de l'huile et du sucre. Du sucre. Oui. C'est pour vous. C'est pour vous aider. Ceux qui ont les difficultés. Donc je compte sur monsieur le sous-préfet et le chef du village avec Abou pour que ce soit bien distribué et que vous n'ayez pas de problème. Mais comme il y a le riz, il y a l'huile. Il faut bien qu'il y ait un peu de poisson. On vous a donné à chaque famille la somme de 20 000 francs pour acheter le poisson. Tout à l'heure, monsieur le sous-préfet, je vais ajouter encore un peu d'argent pour qu'on complète ce qu'on a donné hier, ce qu'on doit leur donner tout à l'heure. Je vais ajouter la somme de 500 000 francs pour vous. Étape 2. Le gouverneur et la délégation on fait escale dans les différents endroits où il y a des travaux de l'autoroute pour lui-même se faire une idée de l'avancement des travaux et s'assurer de la bonne pratique et de la bonne disposition des ouvrages. Ça va, le loup, ça sortit. Mais comme c'est petit, ça sortait mais vraiment à prendre l'outil. Tout ça, c'était plein. Là, ils sont en train de faire un galop. Ah ouais. Ils ne sont même pas là pour nous. C'est ça, on m'a fini là. Ça va être un peu de on a demandé l'étude du bassin versant de cette victoire ici. L'étude du bassin versant. C'est ça qui sera déterminant pour que je puisse vérifier si les dimensions des ouvrages ici sont bonnes
Voilà. Ça, c'est la deuxième, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ils nous disent comment ils vont gérer les victoires. Voilà. Peut-être qu'il y a déjà quelqu'un qui a construit une maison avec un grand budget de. Quand on regarde de loin l'enfant, le monsieur a la construction de l'enfant. Donc, ça est dans le. Mieux vaut commencer maintenant, on dépense moins. Mieux vaut commencer maintenant que d'attendre, parce que tout ça sont de l'eau, les assemblées et les gens ont commencé à. Oui, mais surtout aussi, chef, il faudrait voir si au niveau de la grille, il n'y a pas de l'eau qui a été attribuée. Ouais. S'il n'y a pas de l'eau qui sont dans la trajectoire de la route de l'eau d'évacuation. Avec le développement, quand les terrains, les constructions vont se faire par l'amont, la quantité va venir encore plus dans notre champ. Vous savez, on a dans notre métier ce qu'on appelle le coefficient de ruissellement. Quand le terrain est nu, le coefficient est très élevé, la quantité d'eau est très élevée. Toutes choses étant égales par ailleurs. Mais quand les terrains ont de la broussaille, de la verdure, ça retient l'eau. Donc le coefficient est moins élevé. Or, tout ce qui est en amont, là, les gens vont commencer à mettre en valeur. Mais ici, là, mais vous n'aurez que des cas sociaux. Vous n'aurez que des cas sociaux. Donc on est obligé de prendre nos responsabilités. Les écoutes, là, comment ils ont positionné leurs canaux. Avec les ailes. On doit drainer l'eau, donner une certaine direction. Le gouverneur a promis mettre tout en œuvre pour limiter les dégâts lors des intempéries de ce genre dans la commune de Songon par un suivi strict des travaux d'assainissement et de la voirie déjà avancés. Tout ce qui est là, c'est pas. Donc c'est ici, en fait, quand l'eau arrive, comme il n'a pas de façon de se fermer, ça s'étale. Il y a la cité bien nickel là, ça casse la clôture et puis ça va jusqu'à la ouais, il y avait un caniveau pour compléter, il y a un caniveau qui devait sortir de la cité là-bas. Donc fermé au niveau de la cité. Là, du coup, je vous parle maintenant. Le fer, l'eau devait continuer pour sortir de la cité. Donc fermé au niveau de la cité là. Comment on a le temps comme ça? C'est que les gens ont l'impression qu'on a le temps de corriger. On n'a plus le temps de corriger parce qu'on est dans la réalité là. On est dans la réalité. Par conséquent, après le bureau par les femmes, hein. Et... si vous donnez le courrier, vous nous avons. On va voir. Mais j'aime expliquer ça. La raison de la cité est bien, c'est inondé. La cité est au niveau de la ceinture. La première fois qu'ils sont arrivés, c'était une seule maison qui s'avait cassée et puis nous avons traversé pour aller à Badi. Ça a cassé les clôtures et tout. Voilà, la cité. Au niveau de la cité. C'est pour tout, hein. Oh, c'est pas trop, mais c'est normal. Pour l'heure, l'EFO va tirer ça. Demain, je dois les voir. On va tirer jusqu'à ce que tu as aggravé la situation. Soit la vitesse de l'eau sera très forte. Maintenant, ça va très vite dans les villages. Pour le moment, il faut laisser comme ça. Ça va, c'est lui, dès ici déjà ça commence. Il y a 50 ans. Oh, si on cuit, ça va aller un peu plus loin pour pouvoir faire ça. Vous allez voir, ça va être grave ici là. Toutes les maisons que vous voyez là, ça va partir. Elles sont toutes inondées. Voilà, voilà. Parce que quand on cuit, la vitesse est très grande. Et si on cuit, il faut le faire juste à la lagune. Pour que ça ne sorte pas ici. Parce que là maintenant, c'est le village, le vieux village même qui va être impacté. Parce que là, ce qui est passé, c'était les murs ont encaissé et ont cédé. Et puis l'eau est tombée. L'eau s'est écoulée. Ça s'est plus ou moins infiltré, donc ça n'a pas atteint le village lui-même. C'est les opérations immobilières ici, là, et quelques parties du village qui ont été atteintes. Alors que maintenant, là, c'est ouvert même. Non, parce que si tu cures, qu'on n'arrive pas à la lune, il faut arriver à l'exutoire. Quand j'ai dit curer, là, il faut arriver à l'exutoire. Voilà. Là où ils ont bouché, là, il faut déboucher. Non, ceux qui ont fait les travaux n'ont pas venu faire. Donc, ils n'ont qu'à commencer par l'exutoire. Pour remonter. Oui. Voilà, parce que si jamais vous commencez, c'est puis il y a une pluie qui arrive. Ça va être grave. C'est pourquoi je vous dis, c'est pas la peine. Commence par l'exutoire, tu travailles dessus, puis tu reviens. Étape 3. Le gouverneur a rendu visite aux habitants du village d'Abadé-Pouté. Il est passé de cours en cours pour constater les dégâts causés par la pluie.
à nous. Ah, bonsoir. Yoka, yoka. Ah, il est mais il est le bruit. Il est là. Il est là. Il a ensuite fait escale au foyer des jeunes du village où l'attendait une forte délégation composée de chefs, de notables et plusieurs familles. Après les civilités, le gouverneur a adressé ses mots de compassion et de solidarité et a par la suite distribué des vivres et des non-vivres pour soutenir les familles. Le témoin, le mien, l'enseignement, que m'aimerais qui katikati à tes tendants, à ton info. Que à couvrir du monde comme au fort, comme au fort. Autant comme on yoka oh, on yoka. Maintenant, dis-moi, le gars qui m'a dit, vous le bon. Nous avons dit, mais il est salé, nous devons les prendre. Le Honsen, le Teko, le Honsen Gobo, le Man, le Li, Amon, le Nyanka, les décrets à Gonéter, le Moukwa, pour m'embrasser, allez à Nyanka. Ministre Beké Avalo, quel ministre Man a dit Mon Wadia, Abakouba, Abakoum et Mandiba, aucun était assitôt. Mais les commandants m'ont au boulot dûment attiré. Il était rapporté que n'eût été la vigilance et la promptitude des villageois, une jeune demoiselle a failli être emportée par les eaux. Le gouverneur a promis assurer ses soins dans une clinique de la place. Étape 4. Cette tournée s'est achevée à Bumbesso avec encore des distributions de vivres et non-vivres aux populations. Selon la Croix-Rouge, aucune perte en vies humaines n'a été déplorée. Il faut aussi rappeler la promptitude de certains villages et les secouristes de la Croix-Rouge. Songon fait 4, mais de Songon y était le reportage. Le web magazine socioculturel de Songon.